Bonjour, donc la partie que je viens de d'interpréter est une basse d'Alberti, mais inversée. Voilà, normalement une basse d'Alberti, c'est donc un procédé d'harmonie qui consiste à utiliser un accord arpégé et d'organiser les notes de l'accord comme ceci. Donc on commencerait par la note grave, puis la note aiguë, puis une note intermédiaire. Puis on répète la note aiguë. Donc là, on a strictement l'opposé. Donc note aiguë, note grave, note intermédiaire, note grave. Voilà, on peut considérer que c'est une basse d'Alberti. C'est un procédé qui doit son nom à Domenico Alberti, qui était un compositeur et chanteur du 18e. Voilà. C'est possible de jouer, de réinterpréter avec une basse d'Alberti et on va voir ensemble quelles autres variations on pourrait suggérer. Avec un capo d'astre sur la cinquième case, je jouais donc l'accord de Fa majeur. Voilà, avec la note Do, la note Fa et la note La. Et on a donc un accord de Fa que l'on peut renverser deux fois. Donc on va pouvoir organiser nos trois sons de manière différente et on peut d'ores et déjà prendre la deuxième position. Donc avec cette fois-ci le son Fa qui est à la basse, on a Fa, La, Do. Voilà. Donc dixième, dixième et huitième case sur les cordes de sol, de si et de mi. Et enfin, la dernière position avec le la à la basse, donc la, do, fa, sur la frette 14 et 13 et 13 pour les cordes de si et de mi. Donc voilà, donc il y a plusieurs arrangements possibles et je vais en proposer un dans l'extrait suivant.